C'est cette semaine, à travers les informations de nos confrères Peoples, qu'on a appris que Laetitia Hallyday faisait un nouveau caprice. Laetitia Hallyday, la célèbre veuve de Johnny Hallyday et mère de Jade et Joy, dévoile son dernier caprice aux fans, c'est le drame. 10 ans plus tard, Laetitia Hallyday y tourne une nouvelle page. Tout dernièrement, on a appris que Laetitia Hallyday allait se séparer de la Villa Pacific Palisades à Los Angeles, en Californie. La mère de Jade et Joey a pris la regrettable décision de vendre la maison familiale, construite en 2010. Dans le but de se débarrasser des 30 millions d'euros de dettes qu'elle doit payer. Le magazine affirme que la vente de la villa de Johnny Hallyday a été réalisée en ce vendredi 11 septembre sur le site de Coldwell Banker Realty. Il confirme également qu'elle permettrait de récolter la somme de 15 millions de dollars. Une question et même plusieurs se posent, où va se loger Laetitia Hallyday ? Un retour en France, à Paris, est impensable pour Laetitia Hallyday, la mère de Jade et Joy. Malgré les gros arguments qu'il y attend puisque c'est la ville de résidence de son compagnon, Pascal Ballan. Je reste à Los Angeles pour l'instant, car c'est une promesse que j'ai faite à Johnny. Johnny Hallyday voulait que ses filles Jade et Joy soient éduquées aux États-Unis. Il reste 3 ans de scolarité pour Jade et 5 pour Joy, a déclaré Laetitia Hallyday dans les colonnes de Paris Match en juillet dernier. Laetitia Hallyday doit-elle encore de l'argent à Laura? Si Laura Smet a déjà obtenu 1,5 million d'euros, Laetitia Hallyday lui doit encore 1,12 million d'euros. Ces chiffres correspondent à l'héritage de son frère David Hallyday. Un héritage qu'il avait auparavant décidé de renoncer au profit de sa sœur. Une somme importante, qui devrait être versée très bientôt. Pour régler la dette et cette somme, Laetitia Hallyday, qui possède les biens immobiliers du rocker, envisage actuellement de mettre en vente sa célèbre villa de Marne-la-Coquette, Hauts-de-Seine. Laetitia Hallyday vend sa villa à Los Angeles pour 15 millions d'euros. Dans cette région dorée où les célébrités se disputent les plus belles propriétés. Johnny Hallyday avait senti qu'il pourrait y vivre en toute tranquillité. Le chanteur, décédé en décembre 2017, y chouchoutait sa collection de voitures et de motos. Laetitia Hallyday doit se séparer de cette maison de plus de 1000 mètres carrés que Johnny Hallyday avait fait construire en 2010. Elle est moins symbolique que la Lorada à Saint-Tropez, 83, ou la Savannah à Marne-la-Coquette, 78. Mais elle fait tout de même partie de l'héritage de Johnny Hallyday qui en avait fait son pied-à-terre. 10 ans après sa construction, la villa à Pacific Palisades, près de Los Angeles, au bord de l'océan Pacifique, est en vente. Son prix? 17,9 millions de dollars ou 15 millions d'euros, selon une annonce publiée par le réseau immobilier Coldwell Banker Realty. Fasciné par les États-Unis, Johnny Hallyday faisait depuis longtemps des allers-retours entre la France et le pays de l'oncle Sam. En 2010, l'idole de la jeunesse et Laetitia Hallyday ont fait construire une villa de plus de 1000 mètres carrés de surface habitable sur les rives de l'océan Pacifique. Ainsi,
Comme toujours, la longue liste de commodités a de quoi faire rêver, une bibliothèque, une cuisine de chef, un spa avec vue sur le canyon, un théâtre de 18 places. Ainsi qu'une salle de gym, une piscine à débordement, un sauna, une cave à vin, un ascenseur et un garage pour 4 voitures. Elle, qui vivait toujours dans cette villa avec ses deux filles, Jade et Joy. Laetitia Hallyday a annoncé en juillet dernier qu'elle avait conclu un accord avec Laura Smet, la fille du rocker. David Hallyday, son frère, a pour sa part abandonné ses démarches concernant l'héritage de leur père. Mais Laetitia Hallyday n'a pas encore réglé tous ses soucis. Elle a encore des problèmes avec le fisc au sujet de la dette fiscale qu'elle et Johnny Hallyday ont contractée. Cela oblige Laetitia Hallyday à se séparer pour son plus grand regret, de la villa familiale.